L'état des lieux de l'Internet aujourd'hui, en 2008, c'est une formidable évolution au quotidien. Chaque semaine, il se passe quelque chose. En quelques mots, ce qui se passe d'important, c'est que l'Internet donne accès aux médias radio à beaucoup de gens chez eux, au bureau, à la maison. L'Internet est de plus en plus utilisé de différentes manières et devient un support publicitaire sur lequel une énorme partie des investissements se dirige déjà maintenant, et les prévisions pour les prochaines années sont exponentielles. Alors le contenu de cette formation, c'est dans une première partie quelques chiffres déterminants qui permettent d'expliquer les nouveaux modes de consommation de la radio via l'Internet et via le téléphone mobile, les nouvelles répartitions des budgets publicitaires qui viennent sur l'Internet. Et puis dans la deuxième partie, on regarde toute une série d'exemples de contenus attractifs à placer sur un site internet d'une radio qui doit devenir un vrai média de proximité à part entière, un vrai centre de profit et non pas seulement la vitrine de la radio. Donc on a plein d'exemples de contenus qui sont faciles à réaliser et peu coûteux. Et dans l'autre partie, on regarde des exemples de revenus, c'est-à-dire comment on peut localement générer des revenus publicitaires sur le site internet de la radio. Et on a beaucoup d'exemples qui sont différents de la bannière classique qu'on retrouve, mais on peut aller chercher localement beaucoup d'argent sur le marché publicitaire en dehors de ces grands classiques. Et la dernière partie, c'est comment on s'y prend pour mettre en œuvre tout ça à court terme avec l'équipe commerciale dont la radio dispose, de manière à ce que très rapidement on puisse générer des ressources via le site internet de la radio. Donc, à la question de savoir combien de chiffre d'affaires une radio peut réaliser via son site internet, évidemment, il y a une grosse marge de progression. C'est important de commencer aujourd'hui parce que le potentiel est énorme. Certaines radios avec lesquelles je travaille réalisent déjà 10 à 15% de leur chiffre d'affaires à travers leur activité multimédia, et en particulier sur le site internet, sous différentes formes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le marché publicitaire local, il y a un énorme potentiel de publicité. Et il y a un énorme potentiel qui va aller sur l'Internet, de toute façon, si les radios n'exploitent pas ce marché. C'est les pages jaunes.fr qui, pour l'instant, captent l'essentiel de ce marché. Et les pages jaunes sont déjà très en avance là-dessus. C'est comme pour la radio, il suffit de ne pas prendre trop de retard et il faut exploiter ce marché au plus vite. Pour moi, c'est une excellente journée, hein, parce que c'est vrai que j'étais déjà demandeur de beaucoup d'informations. C'est vrai que on a des annonceurs qui, on le sent, hein, la demande elle est là, et j'avais du mal à y répondre, savoir comment commercialiser le site, quels produits proposer, quel packaging mettre en place, et surtout le vendre à quel tarif. C'est une journée qui m'a apporté beaucoup de réponses et qui a soulevé aussi de nouvelles questions, donc c'est très très intéressant. Et puis le gros avantage, c'est de pouvoir avoir des collègues, échanger avec eux, voir un petit peu comment ils fonctionnent, comment nous on fonctionne. Et c'est un échange très très positif et c'est très intéressant, en tout cas pour nous, hein, que les indépendants aient mis en place cette formation.